Donc le CELSA, qui est une école, une grande école interne à Sorbonne, Sorbonne Université, qui témoigne donc d'un désir de formation à la fois lié au professionnalisme d'une grande école et à l'histoire, à l'épaisseur des savoirs proposés dans le cadre de l'université. Donc on a cette double identité du CELSA, qui est donc l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, qui signifie également, rappelons-le, centre d'études littéraires et scientifiques appliquées. Donc cette école, elle a été créée en 1957, donc au XXe siècle, au sein de la Sorbonne, et elle dispense des formations de haut niveau, des formations professionnalisantes qui vont toucher à la fois le journalisme, la communication, le marketing, la publicité, les médias et les ressources humaines. Le CELSA délivre des diplômes de licence, bac plus 3, de master, bac plus 5. Il propose, et ce sera l'objet de notre intervention, une formation en magistère. On va vous en dire quelques mots. Un doctorat, également un master spécialisé, des formations liées à l'entrepreneuriat en relation avec Sorbonne Université. Alors, le positionnement pédagogique du CELSA, il est associé de façon assez claire aux sciences de l'information et de la communication, qui est le champ disciplinaire qui nous permet de proposer des formations professionnalisantes aux étudiants. Donc, on a une attention aux sciences de l'information et de la communication, également corrélée à des enseignements en sciences humaines et sociales, en sociologie, en anthropologie, en sémiologie, etc., avec des perspectives de professionnalisation, comme je le disais, d'entrepreneuriat, mais également des possibilités, nous en sommes ici témoins, Pauline et moi-même, des formations à la recherche et par la recherche. Alors les étudiants, je poursuis puis je te donnerai la parole, Pauline, sont invités pendant toute leur scolarité au CELSA, à partir de la licence ou du master 2, à s'investir évidemment dans la vie de l'école, tout particulièrement en troisième année de licence, où la vie associative est un lieu assez important de socialisation, où les étudiants peuvent se former à travers différents pôles associatifs, parmi lesquels figure le BDE, le Bureau des élèves, traditionnelle association, et d'autres, évidemment, d'autres associations liées à l'entrepreneuriat social et solidaire, on pense ici à Enactus, ou, et c'est une particularité du CELSA, dans le cadre de la Junior Entreprise, fondée en 1986, qui permet aux étudiantes et aux étudiants de gérer un certain nombre de missions liées à la communication en lien avec des partenaires dans le champ économique, tout spécifiquement. Alors, cette vie étudiante, évidemment, elle est entre les murs du CELSA, lorsqu'on a 20 ans, et puis le temps passe et le réseau des alumni se forme, constitue un réseau dynamique, un réseau qui va réunir une communauté d'étudiants du CELSA et de Sorbonne Universitaire. On a un réseau de plus de 10 000 alumni actifs en France et dans le monde, avec un certain nombre d'outils qui sont proposés aux adhérentes et aux adhérents, un annuaire en ligne, des rencontres régulières, du mentoring, des sessions de formation, des sessions thématiques. Alors le CELSA en chiffres qui sont relativement récents, 2020-2021, c'est un établissement évidemment de formation avec plus de 600 étudiantes et étudiants, dont 134 en apprentissage. Il y a une dynamique de l'apprentissage au sein de l'école et de l'université de façon plus globale. 25 étudiantes et étudiants en moyenne par formation, entre une et trois années de formation. On peut rentrer au CELSA soit en licence 3, soit en master 2, et différents parcours de master. Alors, la particularité, c'est qu'on accorde au CELSA, certes, une attention au champ professionnel, à professionnaliser nos étudiantes et nos étudiants, mais également à susciter en eux et à cultiver en eux un esprit de recherche. Donc, on a une formation par la recherche, à la recherche, avec des enseignants et enseignantes chercheurs, chercheuses, et des thèses de doctorat qui sont soutenues depuis une quarantaine d'années maintenant en sciences de l'information et de la communication. On peut passer. Alors,
Alors, oui. Je vais prendre la parole. Oui. Donc, on arrive au point qui vous intéresse. Le magistère au sein de cette grande école rattachée à l'université Sorbonne Université, quel est son positionnement? Donc, la spécificité du magistère, c'est d'être une formation dite généraliste, c'est-à-dire que les étudiants, on a pour ambition, et je pense qu'on y arrive, d'en faire des généralistes de la communication en les formant sur tous les métiers et les domaines de la communication. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dès la licence, les étudiants sont veillés aux sciences de l'information et de la communication, aux sciences humaines et sociales, hein, d'un point de vue théorique, et professionnellement aux différents domaines, c'est-à-dire le marketing, la marque, le branding, tout ce qui touche aux ressources humaines, ensuite tout ce qui touche aux ressources, qui dit ressources humaines dit management, enfin médias, nouveaux médias, et pour terminer, tout ce qui touche à la communication des entreprises, des institutions, ce qu'on appelle la communication corporate. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un diplôme qui est plus généraliste que les autres, et c'est pour ça qu'il y a un module spécifiquement propre au magistère que n'ont pas les autres formations, d'où le terme aussi magistère. À savoir que ça a été une politique de l'école de former des généralistes pour que ce soit des finalement de bons stratèges, pour qu'ils aient une vision d'ensemble de ce que sont les métiers de la communication. Voilà, c'était un petit peu l'objectif qu'on a cherché à maintenir. Mais vous allez voir, par rapport à cette histoire, hein, quand même, qui a 40 ans propre au parcours magistère, enfin bientôt 40 ans, on a donné en fin de parcours, c'est-à-dire en master 2, en spécialisation, une petite couleur culture. Alors, c'est culture au sens large, hein, les cultures de l'information et de la communication sur lesquelles les étudiants sont formés dès la licence et sur lesquelles on essaie de sensibiliser les nouveaux entrants, parce qu'il y a, deux moments d'entrée, hein, je rappelle, au CELSA, c'est au niveau de la licence et au niveau du Master 2, avec une spécialisation un petit peu plus au niveau de la culture, dans le sens patrimoine, industrie culturelle et créative, etc. Je ne sais pas si tu l'as annoncé, mais il y aura un temps de parole pour les questions, hein, après la présentation. Autrement, il y a un chat. Hein. Oui, et puis la salle sera ouverte, la salle, voilà, du premier étage est ouverte si vous avez des questions. Voilà. Donc, ce temps de parole, et il y a un lieu dédié qui sera la salle. Il y a des étudiants ou des anciens qui seront là, donc voilà, on pourra répondre à vos questions. Donc voilà, j'ai parlé du concours. Tu veux peut-être parler du concours de licence? Peut-être, ouais, avec un petit complément sur la spécificité du magistère. Vous avez, comme tous les étudiants de la licence au master 2, un ensemble de cours qui vous donne lieu à un diplôme national, un diplôme de licence, diplôme de master. En magistère, il y a des cours dits complémentaires, d'approfondissement d'un certain nombre de thématiques, qui vont vous donner lieu, si vous suivez ces cours en L3, M1 et M2, un deuxième diplôme qui est le diplôme d'école du magistère. Donc, c'est un double diplôme, diplôme national, puis sous couvert d'avoir suivi ces enseignements complémentaires de la L3 au M2, un diplôme d'école. Alors, pour entrer dans le parcours magistère, on peut y entrer en licence 3, donc à partir d'un bac plus 2, soit par la voie d'un concours dit classique qui va consister en la constitution d'un dossier, avec un certain nombre de pièces à remplir, à l'écrit, et d'une épreuve orale, d'un entretien oral d'admission. Donc, voie dite classique. La voie BEL, ou la banque d'épreuves littéraires, c'est les étudiants qui auront fait des années de classe préparatoire littéraire et qui pourront, sous réserve évidemment d'avoir obtenu certaines notes dans des épreuves écrites, qui pourront passer directement l'oral. Cet entretien d'admission. La voie interne, qui est une voie interne qui donne accès au CELSA pour les étudiants et étudiantes de Sorbonne Université, consiste en la constitution d'un dossier et en un entretien à l'oral. Et la voie spécifique est une voie spécifique destinée aux étudiants de DUT, donc je crois qu'on dit maintenant BUT, et BTS, pareil, on a un dossier et l'épreuve orale. Peut-être préciser que ce sont des BUT et BTS qui ont en communication. Tout ceci étant lié à la communication. Donc, vous avez donc quatre grandes voies d'accès, le concours dit classique, la BEL, la voie interne Sorbonne Université et une voie spécifique BUT, BTS en sciences de l'information et de la communication. OK?
Le Master 2, bon, c'est un peu plus simple. On a un concours dit classique avec la constitution d'un dossier, puis une épreuve orale, un entretien oral d'admission, et également une voie d'accès spécifique qui est la voie interne Sorbonne Université avec la possibilité de passer à l'oral directement à partir de Bac plus 4. Donc là, on a un petit peu, alors c'est illisible pour vous, mais c'est repris sur le site hein, du CELSA et vous allez dans l'onglet magistère. Donc vous voyez, le magistère management et culture, ça décrit un petit peu le contenu de la formation au niveau pédagogique. Donc au niveau de la licence 3, c'est une formation, comme je vous disais, très générale et partagée sur notamment les cours théoriques d'introduction aux sciences de l'information et de la communication, d'introduction aux sciences humaines et sociales. Hein. C'est très important parce que c'est vraiment ce qui fait la spécificité du CELSA. Hein. C'est cette ouverture vers les humanités. Également, la découverte avec les champs professionnels. Donc, c'est aussi des cours partagés entre toutes les licences, quel que soit le parcours des étudiants. Et ensuite, il y a des enseignements complémentaires, hein, ceux dont on vous a parlé, qui sont spécifiques aux parcours magistère, donc ce qu'on appelle dans notre jargon l'UE magistère, et enfin des moments très structurants, communément partagés. Alors, il y a trois moments hein, dans cette année de licence. L'écriture individuelle d'une nouvelle, d'une poésie, d'un projet de scénario. Donc, on demande aux étudiants d'exprimer leur pendant créatif pour un peu libérer quelque chose. C'est important, voilà, parce que vous savez que pour être un bon communicant, il faut quand même savoir écrire ou apprendre à savoir écrire. Donc, on vous accompagne hein, là-dessus. Il y a des exercices sur 3 ans. Un travail collectif d'ouverture à la recherche, les TIR qui signifient travaux. Travail d'initiation à la recherche. Travaux d'initiation à la recherche. Donc, ça, c'est... Peut-être tu peux, comme tu en as beaucoup suivi, donner un exemple de thématique. Oui, c'est des thématiques qui sont chaque année suggérées par l'équipe pédagogique et qui vont toucher à des actualités. Alors souvent, quand on est en période de campagne électorale, par exemple, ça a été le cas il n'y a pas si longtemps, on peut avoir des axes thématiques sur la communication électorale, par exemple, ou des thématiques qui toucheront plus spécifiquement, parce que ça concerne l'ensemble de la licence, des spécificités propres à chaque parcours, la publicité, etc. Alors, et enfin, évidemment, le stage. Vous avez un stage, en fait, obligatoire, où vous êtes en apprentissage en Master 2, mais on va le voir plus tard, au niveau des 3 années d'études. Hein, parce que, comme c'est des formations professionnalisantes, c'est très important qu'on vous donne les outils hein, méthodologiques, théoriques et même professionnalisants. Vous allez voir que, en fait, plus vous montez dans la formation, plus l'intervention des professionnels en tant que vacataire est importante, qui viennent vraiment vous transmettre leur savoir-faire. Donc, le moment du stage, c'est aussi un moment important qui est très accompagné au CELSA. Hein. On a un service stage et insertion professionnelle. Donc, voilà. Là, évidemment, si vous réussissez à intégrer la formation, vous allez bénéficier, évidemment, du réseau propre au CELSA. Et c'est aussi une des valeurs ajoutées qui fait qu'on a le statut de grande école, hein, cette logique de réseau. Donc, ce stage en licence, il est de 3 à 5 mois, mais en général, ils font c'est maximum. C'est 3, ouais, 3, 4 mois. Ouais. Alors, ensuite arrive le Master 1. Donc, c'est Thierry Devars, ici présent, qui a la responsabilité de ce Master 1. Donc, je vais sur le parcours magistère, donc je vais te laisser le... Ouais, tout à fait. Donc, Pauline Escangoquet vous a présenté cette année de licence 3, qui est une année donc générale, qui est une année aussi de forte socialisation. C'est ce moment où vous vous rencontrez, où vous vous constituez aussi un réseau, voilà, de relations, où vous vivez pleinement votre vie associative. Une année générale de formation théorique qui est suivie en master 1 par un moment de bascule, qui est un moment de professionnalisation. C'est-à-dire que c'est ce moment de l'année où vous allez vous voir dispenser un certain nombre d'enseignements par des professionnels de la communication, tout particulièrement pour ce qui concerne le parcours, le magistère, dans le champ très large hein, de la marque, du management et des médias. Tout ceci étant par ailleurs corrélé à d'autres enseignements en lien avec des thématiques propres au parcours, qui est la thématique culturelle, donc muséale par exemple. La pédagogie du Master 1, c'est une pédagogie donc de professionnalisation marquée par des travaux de groupe en relation avec des professionnels, hein, des commanditaires dans le champ économique, social, et des études de cas professionnalisantes.
La coloration du Master 1, elle est certes généraliste, mais elle est aussi culturelle et créative. Le magistère met quelque part un point d'honneur à stimuler la créativité des étudiants dans différents domaines. Alors, on évoquait les travaux d'écriture qui se déploient dans l'UE spécifique du magistère, en poésie, en cinéma, en chanson, par exemple. Pour ce qui concerne la licence 3, en Master 1, on invite les étudiants à déployer cette créativité par un dispositif lié à l'écriture de portraits, portraits d'anciens intervenants du magistère, qui permet à la fois aux étudiants de rencontrer celles et ceux qui sont passés par le CELSA avant elles et avant eux, et de donner à cette rencontre une coloration créative par un portrait assez original. On poursuit en Master 1 la perspective de la formation à la recherche par la recherche, avec la mise en place par groupe d'une recherche appliquée. Alors, il y a une enquête de terrain, et puis ce qu'on appelle un travail d'étude et de recherche collectif sur une thématique donnée. Cette année, c'était par exemple divertissement et communication, et performance et communication. On a eu des travaux de recherche, des enquêtes conduites sur ces thématiques. La particularité du M1, et là on est vraiment dans ce moment de bascule puisque les étudiants entrent en stage dès lundi, c'est qu'on a une expérience de stage de 3 à 6 mois, généralement c'est 6 mois, ou une expérience dans une université étrangère, suivant le nombre de places évidemment disponibles. Et ensuite arrive le moment fatidique du Master 2. Voilà, donc ce que vous comprenez, c'est que sur ces 2 ans, il y a deux grands soucis. D'une part, de continuer à transmettre ce qui va faire vraiment, hein, je le répète, la valeur ajoutée des étudiants du CESA sur le marché du travail. Donner ces outils propres à l'université, hein, sensibiliser à la sémiologie, à l'anthropologie, à la sociologie, et progressivement se saisir de ces outils par des travaux de groupe collectif. Et en troisième année, ça va être à travers le mémoire qu'on va voir dans quelle mesure ils ont réussi à bien comprendre ce qu'on a cherché à leur transmettre, toutes ces valeurs en humanité, mais aussi mobiliser des outils propres à des outils professionnels, hein, tout simplement, propres à des logiques, des problématiques professionnelles. C'est pour ça qu'en Master 2, eh bien, c'est un moment important où les étudiants choisissent, hein, une petite coloration au niveau culture, soit plus culture au niveau patrimoine muséal avec la formation classique intitulée Management de culture et stratégie de communication, soit le terme culture plus dans les logiques de industrie culturelle et créative avec la formation en Master 2 en alternance. C'est ce que vous voyez au niveau des spécialisations. Reste que comme on est en magistère, il y a sur les deux formations, les deux masters, un tronc commun partagé, toujours dans cette logique, médias, marque, management, nouveaux médias et tout ce qui est finalement le tronc commun qui est là dès la licence de sensibilisation sur tous les domaines en information et communication professionnelle. Voilà, ça reste important, je le répète, je le redis, pour être sûr de former d'une part de bons stratèges et d'autre part de pouvoir donner les outils nécessaires à des futurs cadres pour connaître un peu toutes ces cultures et bien manager des équipes sur différents projets, que vous alliez travailler en institution culturelle, en agence, dans des institutions, des grandes marques, ou même dans tout ce qu'on appelle la nouvelle économie, hein, ou encore on a de plus en plus d'étudiants qui vont vers des associations aussi, qui sont engagés, des ONG, etc. Voilà, donc ce pendant généraliste permet finalement cette polyvalence, hein, du fait que vous êtes spécialisé plus au niveau Master 2, mais ce tronc commun reste. Et c'est très important, c'est ce qui fait vraiment la marque, je dirais, du magistère. Alors là, on a un grand témoin, Jérémy Goldbaum, qui est intervenant sur la formation et qui est un ancien du magistère qui est intégré au niveau Master 2. Alors, avant de rentrer je voulais quand même voilà, que tu puisses te présenter avant qu'on rentre dans les problématiques du programme. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, si. Alors, en effet, en fait, moi, le témoignage que je vais vous faire aujourd'hui, que je vais vous présenter, il se consacre sur deux axes, à la fois en tant qu'ancien étudiant, puisque j'ai suivi le parcours du magistère en apprentissage en 2017-2018. Donc, j'avais déjà un parcours en sciences humaines, j'avais suivi une prépa littéraire. Par la suite, j'avais fait des études plutôt en histoire-géographie. Et dans le cadre de ces études,
J'avais dû avoir à un moment donné un stage obligatoire dans le secteur culturel et je m'étais rendu compte que c'était ce secteur qui m'intéressait plus que la recherche ou l'enseignement en sciences humaines. Et donc, j'ai décidé de me réorienter. J'ai fait un premier Master 2 à Dauphine en gestion. Et dans le cadre de ce Master 2, je me suis rendu compte qu'en fait, la communication était vraiment le trait d'union entre différents métiers du secteur culturel et c'était un caractère essentiel pour comprendre les métiers de la culture dans son ensemble. Et à ce titre, le magistère et cette teinte culturelle du magistère m'a vraiment attiré et convaincu à ce moment-là, puisqu'il y avait en plus cette possibilité de suivre le Master 2 en apprentissage. Je trouve que l'alternance pour clôturer ses études, c'est un bon moyen d'avoir un pied au sein d'une structure, alors d'une entreprise ou d'une structure institutionnelle, et de pouvoir être sur un rythme de 4 jours sur 5 sur le lieu du travail, avec un apprentissage très concret des missions, tout en ayant ce rythme d'un jour au CELSA, un jour assez complet, assez dense, pour un apprentissage théorique et pratique des enjeux de la communication. Et donc, j'ai pu, dans ce cadre, faire mon apprentissage à la DRAC Île-de-France, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, qui dépend du ministère de la Culture, qui était un stage au sein de la Direction de la Communication, un apprentissage, pardon, qui était lié justement aux stratégies de communication culturelle en Île-de-France, que ce soit les grands événements nationaux, quand vous pensez aux Journées Européennes du Patrimoine, aux Journées Nationales d'Archéologie, mais aussi le suivi d'un ensemble d'activités culturelles en Île-de-France, que ce soit justement l'archéologie, le patrimoine, l'art contemporain, et pouvoir avoir un suivi global à la fois sur des événements et sur des productions de support de communication. Et donc, ça a été une expérience très forte pour moi, très forte à plusieurs niveaux. Par ailleurs, j'ai apprécié, entre autres, la forme des formations. C'était un petit format avec des diversités de profils, des profils internationaux, des profils qui venaient de sciences humaines, des profils qui étaient déjà au CELSA depuis la licence 3 et donc qui, dans le cadre des travaux de groupe, me permettaient effectivement d'apprendre beaucoup, de pouvoir composer avec une diversité de profils et de comprendre un peu mieux les enjeux du secteur de la communication, d'avoir aussi une diversité de cours qui me permettait de mieux appréhender la communication dans un ensemble de secteurs. Lorsqu'on parle de métiers du secteur culturel, en fait, on n'a pas forcément conscience que la communication ouvre à une diversité de métiers, que ce soit les métiers du développement de fonds, comme le métier de chargé de mécénat, le métier de la communication externe, communication interne, que ce soit également les métiers des nouveaux médias, du community management, mais également de la gestion de projet d'un point de vue plus opérationnel, de la programmation, du développement des publics. Et donc, c'est l'ensemble de ces métiers auxquels ouvrent les Master 2, effectivement classiques et en apprentissage du magistère. Puisque quand on parle de formation généraliste avec une teinte culturelle, c'est vers ce type de métier que l'on peut aller à l'issue de la formation. Mon deuxième témoignage, peut-être Pauline, je ne sais pas si j'ai le temps, mais mon deuxième témoignage, c'est que par la suite, effectivement, donc à l'issue de ce master, j'ai pu continuer sur cette voie. Donc j'ai une expérience à la Villa Médicis à Rome, en mécénat et en gestion administrative. Je suis par la suite parti comme attaché culturel pendant 2 ans au Kazakhstan, en ambassade. Et quand je suis revenu, donc là, ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint une fondation, un fonds de dotation qui s'appelle Make Power Foundation, qui est en lien avec la démocratie citoyenne. Et donc moi, au sein du fonds de dotation, je vais accompagner une 60aine d'actions par an, trouver des financements, répondre aux enjeux d'un certain nombre d'associations et également former et développer des actions d'intérêt général sur un grand champ d'activité qui comprend à la fois la culture, l'environnement, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Et donc, c'est toute cette variété de missions que j'ai pu faire qui sont liées effectivement aux apprentissages que j'ai pu avoir au CELSA. La deuxième partie peut-être de mon témoignage, c'est que j'interviens au CELSA depuis maintenant presque 2 ans. En tant qu'intervenant sur la gestion de projets culturels, à la fois sur le Master 2 classique et le Master 2 en apprentissage. Et c'est un cours, donc gestion de projets culturels, qui vous amène dans un premier temps à décortiquer, qui vous amènerait à décortiquer les stratégies de communication des grandes structures culturelles, à la fois sur la partie patrimoine, spectacle vivant, exposition, galerie d'art, donc de comprendre finalement, lorsque vous voyez des affiches, lorsque vous voyez des campagnes, etc., de comprendre à qui elles s'adressent. Est-ce que finalement, si vous ne comprenez pas forcément le message, c'est que vous n'êtes pas la cible et donc ça a du sens et ça a un message. Et donc comprendre ce que ça signifie un logo en bas d'une affiche, comprendre les messages qu'on souhaite communiquer, c'est vraiment ça l'objectif de ce cours. Et dans le cadre de ce cours, de pouvoir créer
un projet culturel fictif, justement, de la direction artistique, à laquelle on touche très peu, notamment lorsqu'on est étudiant, donc de pouvoir concevoir un événement, à quel public il s'adresse, comment est-ce que je vais le mettre en place, dans quel lieu, concevoir également les stratégies de communication qui vont être attenantes à ce projet culturel, donc comment est-ce que je vais communiquer, quelle affiche je vais produire, quelle vidéo je vais produire, et dans un dernier temps, de pouvoir avoir une vision sur le budget, parce que pour moi, c'est un point qui est essentiel dans tout ça, c'est-à-dire que la communication, c'est très bien, mais si ça reste uniquement au stade des idées, et si on n'a pas forcément une idée concrète de ce que ça représente en termes de coûts, on est un petit peu à côté. Et donc, c'est tout l'objet également du CELSA, c'est de pouvoir avoir une vision très concrète également des enjeux de communication d'un point de vue production des fameux supports et production des stratégies de communication. Et donc, le cours se structure ainsi, pouvoir monter un projet, pouvoir le concevoir et pouvoir le budgéter. Et donc, pour ça, vous gagnez en autonomie, vous êtes amené à devoir contacter des structures, à devoir créer votre événement. Alors, il reste fictif, mais il est mis en situation. Et à l'issue du cours, vous devez présenter ce projet en version groupée avec plusieurs élèves, devant un jury de professionnels. Alors l'année dernière, il y avait par exemple Blandine Cotet, directrice de la communication de Paris Musée, Maëlle Leclerc, chargée de production et d'administration au Nouveau Théâtre, au Théâtre Public de Montreuil. Il y avait également cette année Quentin Guigan, qui est responsable art vivant à la Fondation Hermès. Il y avait également Gaëlle de Saint-Pierre, qui est co-délégué du comité interprofessionnel des galeries d'art. Cette année encore, pour le cours qui va venir, il y aura également parmi les membres précédemment cités, Timothée Chêne, qui est directeur de la communication au Théâtre du Châtelet. Donc c'est vraiment pouvoir confronter vos productions à un ensemble de professionnels et de pouvoir aller en direction de ces professionnels également pour vous renseigner sur des stratégies de communication et pour pouvoir vous renseigner sur des budgets et sur ce que vous pouvez mettre en œuvre quand vous portez un projet. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ça qui vous permettra de constituer un premier réseau, d'avoir une première production que vous allez vendre par la suite lors d'entretiens de stage ou d'entretiens d'embauche et de pouvoir être le plus possible professionnalisé et rentrer sur le marché et pouvoir avoir un parcours, je vous le souhaite, aussi satisfaisant et passionnant que le mien. Merci beaucoup. Voilà, c'était pour que ce soit incarné. Donc, je vais revenir un petit peu sur la différence entre la formation classique et la formation en alternance. Déjà, en termes de rythme, donc la formation classique, management de culture et stratégie de communication avec une couleur plus culture et patrimoine. De septembre au mois de février, les étudiants sont en plein au CELSA. Et à partir de février, ils partent en stage de 3 à 6 mois, mais en général, ils partent 6 mois. Ils font un stage plein. On verra après dans quel où ils vont faire leur stage. Comme ça reste une formation généraliste, il y en a qui vont dans les métiers de la culture, mais il y en a qui vont dans des institutions autres que les métiers de la culture. Sur l'autre formation de spécialisation en alternance, management et culture créative, comme c'est de l'alternance, et Jérémy vous l'a évoqué, c'est un autre rythme. Vous êtes le vendredi au CELSA et du lundi au jeudi, dans une structure d'accueil de votre choix avec laquelle vous avez signé un contrat d'apprentissage, sachant qu'il y a quand même des semaines pleines au CELSA et ça dure, cette formation dure 1 an. Les étudiants arrivent en septembre, ils sont en alternance de septembre de l'année où ils arrivent jusqu'à septembre de l'année où ils partent. Donc c'est vraiment 1 an plein et c'est un contrat de travail, c'est la grande différence. Vous êtes considéré hein, comme salarié au sein de l'entreprise qui vous accueille et vous avez des missions propres à un salarié qui sont parfois un petit peu différentes de missions de stage, notamment parce que vous êtes là sur 1 an. Donc, ça permet voilà, d'autres ouvertures en termes de missions. Alors, ensuite, les deux formations partagent, comme je disais, des cours communs, hein, de tronc commun sur la sensibilisation aux différents domaines des sciences de l'information et de la communication et des métiers en information et communication. Mais aussi, il y a une spécificité propre à chaque parcours qui ajuste la couleur, hein, c'est ce qu'on appelle le grand cas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand cas? Ça veut dire que chaque année, les responsables de la formation, donc il y a Olivia Him qui s'occupe dorénavant de la formation classique et moi qui suis responsable de la formation en alternance, on va chercher ce qu'on appelle un partenaire particulier pour qui nous donne un brief sur leur problématique communicationnelle à l'instant T. Et les étudiants hein, vont se constituer comme des mini-agences
travailler au long cours avec eux, hein, en étant évidemment encadré, tutoré à la fois par le corps enseignant et par des professionnels venant de l'institution partenaire pour répondre à ce brief. Alors cette année, et ça fait la deuxième année consécutive, sur leur formation management et culture créative en alternance, notre partenaire est Arte. L'année dernière, on a travaillé sur la notion très partagée et très contemporaine d'écologie pour essayer de comprendre à deux niveaux comment Arte pouvait développer, finalement sensibiliser à trois niveaux sur cette notion d'écologie, en interne au niveau des équipes pour essayer de comprendre eh bien quelle est cette notion d'écologie, et aussi au niveau de la programmation des programmes, c'est-à-dire comment sensibiliser à l'écologie sans que ce soit quelque chose avec des stéréotypes ou de grossiers. Et troisième niveau, c'est avec les partenaires avec lesquels ils travaillent régulièrement. Et autre notion qu'on travaille aussi avec Arte, excusez-moi, l'écologie, c'est cette année, c'était l'année dernière, c'était la notion de diversité. Alors, cette notion de diversité aussi, une notion très contemporaine, très partagée, très divergente, voilà, selon les professionnels, selon les institutions. Donc, là-dessus, pareil, on a demandé aux étudiants de réfléchir sur cette notion avec Arte pour penser cette notion au niveau des ressources humaines, hein, dans les petites équipes, au niveau des partenaires qui travaillent avec eux et au niveau des programmes. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour accompagner les étudiants, hein, dans finalement les recommandations qu'ils vont faire aux structures partenaires, il y a les enseignants-chercheurs, les professionnels, mais aussi on organise depuis quelques temps, sur la formation la mienne, mais je pense qu'on va le faire aussi l'année prochaine en classique, ce qu'on appelle des masterclass sur ces notions où, par exemple, sur la notion de diversité, il y a un certain nombre de professionnels et aussi d'experts intellectuels qui sont venus transmettre leur savoir sur cette notion de diversité. Sur cette notion d'écologie et de diversité, je vais continuer cette année aussi, et on va le faire aussi sur le... l'année prochaine sur le master classique, comme Olivier vient de reprendre cette formation, il faut qu'on en discute, mais normalement, voilà, ceux qui viendront en master 2, vous devriez en bénéficier, parce que ce sont des notions qui amènent à des polémiques, qui sont pas comprises de la même façon en fonction des acteurs, mais aussi en fonction des générations. Donc voilà, c'est important à un moment donné de sensibiliser, d'avoir cette discussion à partager entre les professionnels et les étudiants sur ces deux notions, sachant qu'il y a une troisième notion qui revient beaucoup, mais que vous allez aborder dès la licence, qui est celle du genre aujourd'hui, dans les métiers de la communication, sachant que ces trois notions vont être accolées à des politiques, hein, de RSE propres aux institutions et aux entreprises. Responsabilité sociale des entreprises, pour ceux qui connaissent pas cet acronyme. Voilà, donc ce moment, je dirais, du grand cas est très important et aussi structurant des deux formations, et très accompagné, enfin on espère. Et en général, ben, il y a, comme ce que vous avez exposé, Jérémy, c'est l'occasion pour les étudiants de découvrir des domaines, des métiers, et surtout de valoriser après, pour trouver du travail, ce travail, hein, qu'ils ont fait en petit collectif, parce que c'est vraiment une réponse, c'est pas de la fiction, hein, c'est vraiment une réponse adaptée aux questions que se pose l'institution partenaire à un moment T. Donc, on a travaillé les autres années sur la formation en apprentissage avec le musée du Quai Branly, avec Paris Match, RSF, etc. Donc, vous voyez, c'est pas que des institutions culturelles. Sur l'autre formation, celle dont s'occupe Olivier cette année, il travaille avec la maison Balzac et il travaille avec la Cité du Vin de Bordeaux. Voilà, donc c'est logique de patrimoine, hein, plus dans le sens institution culturelle, sachant que le vin, hein, fait partie du patrimoine français d'un savoir-faire gastronomique. Donc, on va continuer. Ça, c'est juste pour montrer les années de césure possibles, mais on va pas passer trop de temps là-dessus. Donc, comme le disait Thierry, soit vous pouvez faire une année de césure en DE1 après le Master 1, hein, en faisant un échange universitaire, soit à l'issue du Master 2, c'est aussi possible. Donc, il y a deux moments de DU possibles. Et pareil, on a une structure qui accompagne, hein, dans les étudiants dans ces projets de césure à l'étranger ou de diplôme universitaire partagé à l'étranger. Oui, simplement vous dire aussi qu'en Master 1, mais je l'ai évoqué précédemment, le deuxième semestre peut être soit consacré à un stage,
soit préalablement préparer, bien sûr, un séjour universitaire à l'étranger dans une université partenaire. Voilà. Alors, à propos de stage, peut-être sur le... Oui, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais ajouter quelque chose sur le grand cas. Oui. En fait, je voulais vous donner une expérience personnelle lorsque j'étais étudiante. Par exemple, nous, c'était sur une campagne de collecte de fonds de Reporters sans frontières. Et donc, il fallait faire des propositions par groupe de type de campagne qui pouvait être envisagée par Reporters sans frontières pour répondre à un besoin, c'est-à-dire un besoin qui était identifié, c'est comment lever des fonds cette année dans un contexte très particulier par rapport à tel ou tel critère. Et donc, on a travaillé en groupe sur ce sujet. Et donc, on accompagne, on est reçu au sein de la structure. On rencontre plusieurs fois la personne responsable du projet du côté de la structure. Et donc, c'est vraiment très professionnalisant en interne, à la fois sur le fonctionnement par groupe, sur les attendus et sur la valorisation de cet attendu. Enfin, vraiment, j'insiste sur ce que disait Pauline, c'est-à-dire que cet attendu, il va être utilisé par la suite par la structure. Donc vous avez vraiment une valorisation de votre métier et de vos savoir-faire auprès d'acteurs professionnels. Alors l'autre chose, pourquoi ça arrive en Master 2 ce grand cas ? Parce que vous êtes censé avoir acquis un certain nombre d'outils professionnels via les stages, via les cours, les intervenants, mais aussi de méthodologie propre aux sciences humaines et sociales qui va vous permettre de répondre à ce brief et d'être finalement suffisamment assuré pour répondre à ce brief, sachant que pour les nouveaux entrants au niveau Master 2, évidemment, vous avez aussi des expériences et c'est vraiment important pour nous, qui est ce nouveau public qui arrive au niveau Master 2, parce que d'autres expériences professionnelles, parfois d'autres parcours universitaires que les humanités, on a des gens qui viennent du droit, de l'économie, etc. Enfin voilà, on est et où on va les sensibiliser à l'humanité et où eux, dans la promo, ils vont apporter une autre culture et en général, ça fonctionne très bien. Voilà, là c'était important que je le souligne quand même. Alors au niveau des stages sur le Master 1, voilà, voici les exemples de stages. Oui, alors voilà, c'est des exemples qui sont évidemment actualisés chaque année. Les étudiants font un stage donc plutôt de 6 mois en Master 1 en tant que chargé de communication, en tant que assistant chef de projet ou dans le champ des relations presse, relations médias, dans la communication digitale et ce au sein de structures publiques ou privées très très diversifiées. On a aussi cette année un stage à la Villa Médicis, on a une stagiaire à la Fondation Louis Vuitton, on a Ubisoft aussi qui est représentée à nouveau cette année, puis parfois des plus petites structures, des petites agences de communication ou de publicité qui accueillent nos étudiantes, nos étudiants pour cette première vraie expérience, je dirais, professionnelle après celle de licence. Donc c'est aussi un moment, parce qu'on a le droit aussi quand on est étudiant, d'avoir des doutes, de tester des choses. Et l'année de Master 1, c'est une façon de confirmer certaines aspirations ou au contraire de revoir certains désirs. Et l'année de Master 2 qui suit justement permet cette spécialisation. Alors, au niveau du master classique, donc où les étudiants, je le rappelle, sont en cours de septembre à février, puis partent en stage, voici les différents stages qu'ils ont pu faire les années précédentes. Donc, comme je vous le disais, il y a des associations comme la Fondation Abbé Pierre ou Reporters sans frontières, l'association d'orchestre de l'école, je pense que c'est celle de l'université Sorbonne, ils ont un orchestre, Arte, Crédit Municipal de Paris, Fondation Culture et Diversité, donc différentes fondations. Tu as parlé de la Fondation Hermès, mais on a aussi des fondations Cartier, etc. Édition dans le monde de l'édition aussi. Pas mal d'étudiants qui vont dans le monde de l'édition. Un peu dans les industries culturelles créatives aussi ici, mais vous verrez, c'est beaucoup plus sur l'autre. Et des institutions culturelles, des musées aussi, ou des institutions culturelles comme l'Opéra Garnier et des institutions, je dirais, plus larges, soit avec des cultures du public, soit des cultures du privé, pour le luxe L'Oréal, SNCF, pour voilà, j'ai eu plusieurs étudiants qui étaient passionnés du transport et qui ont fait leur stage, et même leur mémoire là-dessus. Voilà, sur le Master 2, les apprentissages, donc les contrats de travail qu'ils signent avec les institutions, donc on a, vous verrez, il y a un petit peu plus peut-être d'industrie
culturelle. Ministère de la Culture et de la Communication, enfin cette année du moins, Universal, Villa Médicis, Palais de Tokyo, Sony Music, Ipsos, Céline, Publicis. Et peut-être pour ceux qui ont une appétence plus pour, je dirais, les logiques de patrimoine au sens stricto sensu du terme, je vous conseille d'aller plutôt sur l'autre master, hein, ceux qui veulent aller vers les musées, vers les institutions culturelles comme les musées ou même les fondations, c'est partagé sur les deux, mais je vous recommande plus l'autre formation. Il y a aussi un gros morceau hein, lors de cette année, c'est le mémoire individuel. C'est dans la continuité de la recherche auquel on sensibilise les étudiants avec le TIR en licence, le TR en master 1. Mais là, il n'y a plus les copains, c'est tout seul. On choisit son objet, on choisit son sujet de mémoire. Et ce qu'on essaie de faire ici au CELSA, c'est ce qu'on appelle de la recherche appliquée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que dans l'accompagnement du mémoire qui doit faire une soixantaine de pages, on est très sensible, hein, vos tuteurs de mémoire, au fait que vous répondiez à la fois, vous soyez dans une logique professionnalisante, mais en mobilisant les outils propres aux sciences humaines et sociales, aux humanités que vous avez pu appréhender ici pour répondre finalement à une problématique, à un sujet, parce que c'est vraiment ce qui va faire votre valeur ajoutée et c'est l'occasion hein, pour nous d'évaluer individuellement les étudiants sur leurs acquis à ce niveau-là. Bon, les sujets sont très larges parce que comme on est une formation qui reste généraliste sur les domaines de la formation et de la communication, on a des sujets très divers. Bah, peut-être qu'on peut évoquer un ou deux sujets de mémoire qu'on a. Alors cette année, par exemple, j'ai un sujet sur la culture de la van life, donc qui va supposer une réflexion sur tous les imaginaires liés à la mobilité. Contemporaine et on a eu, j'avais eu, je parle de ceux que j'ai suivis ces deux oui. dernières années, un mémoire en magistère sur les représentations du célibat dans l'amour et dans le pré, qui suppose une réflexion sur un format grand public hein, d'un point de vue culturel et sociologiquement très féconde. Alors moi j'ai suivi un mémoire d'une étudiante qui faisait son apprentissage. Alors on peut choisir le mémoire en lien avec son stage et son apprentissage ou pas, qui était au Palais Tokyo et qui ont une politique au niveau de l'écologie extrêmement forte, aussi bien au niveau des expositions qu'au niveau interne. Donc voilà, elle a fait son mémoire plutôt au niveau des expositions pour voir comment sensibiliser les publics sur cette notion en invitant des artistes, en choisissant une programmation autour de cette notion d'écologie. Alors, en tant que tuteur professionnel, j'ai suivi l'année dernière le mémoire d'une élève sur justement le développement durable dans les musées et la mesure du coût écologique de la production d'exposition, du déplacement d'exposition, de l'itinérance des expositions et des équipes. Et donc de pouvoir, effectivement, ça c'est des nouveaux terrains et je trouve ça très intéressant de suivre aussi ces sujets parce que ce sont les métiers de demain. Demain, dans tous les établissements culturels, il y aura des responsables, des chargés de RSE qui vont devoir mesurer l'impact dans des structures qui n'ont pas l'habitude de le faire, à savoir des structures d'intérêt général, de leur poids effectivement environnemental, écologique, en termes de production énergétique, etc. Et mon mémoire, lorsque j'étais étudiant, c'était sur l'arketing, à savoir l'appropriation. Voilà, bon, j'ai Anormal, il travaille sur Beyoncé. Moi, j'ai eu un mémoire sur la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Voilà, c'était pour... ils n'ont pas le monopole. Donc voilà, vous voyez, c'est des sujets très ouverts, mais à partir du moment où ça touche à la communication, on est dans l'accueil et l'accompagnement. Alors, le concours. Alors, là, on vous a repris ce qu'il y a sur le site du CELSA. Oui, pardon, j'ai oublié de faire passer. Vous irez voir le site un petit peu sur ce qui est attendu et demandé. Alors, au niveau de la voie classique, quand il nous reste un tout petit peu de temps, alors ça, c'est au niveau licence. Hein. Faut arrêter. OK. À suivre pour les questions concernant plus spécifiquement les concours. On est en salle combien? On est au premier étage. On est au premier étage. Juste 108, je crois. Oui. S'il y a des questions... Voilà, et là, il y a des étudiants et on va être là pour répondre vraiment à toutes vos questions, notamment sur le concours. Et je vous invite vraiment à aller voir... au niveau M2 et au niveau de la licence, les modalités attendues sur le concours et on pourra répondre à vos questions aussi sur sachant que
Et je terminerai là-dessus. Ce qui est important pour nous au niveau du magistère, hein, c'est la personnalité, le fait que les étudiants avoir des formations hétéroclites à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des parcours. On essaie d'éviter des profils types. Hein, on ne veut pas devenir une formation, on a que des. Donc on est assez ouvert, c'est-à-dire des gens qui ont fait des classes prépa, qui ont fait des IUT BTS, qui ont fait d'autres parcours que les humanités au niveau licence comme au niveau master 2. À partir du moment où ils ont un projet cohérent, où ils ont quand même fait l'effort de réfléchir sur ce qu'était la communication, les domaines de la communication et les humanités, eh bien, voilà, c'est déjà gagné en grande partie. Voilà. Donc, je tiens à le dire qu'on est quand même très vigilant là-dessus sur avoir des promotions assez diversifiées. Voilà. Ben, merci à vous. Merci à tous et toutes pour votre attention.